C'est parti. Bien, s'il vous plaît. Alors, Mathilde, pour l'exposé que vous avez accepté de faire, je souhaiterais que vous le fassiez avec votre nouvelle camarade qui vient d'arriver, Laetitia, parce que ça serait une bonne façon de l'intégrer dans la classe. Donc, ça n'a pas l'air de vous répondre. Ça n'a pas l'air de vous répondre. Bon. Alors donc, avant la fin du cours, enfin à la fin du cours à l'interclasse, vous changez de numéro de manière à pouvoir en aller. J'ai pas envie de le faire avec elle exposé. Bah tu m'étonnes, vu que Maëlle est, franchement. Mais en même temps, elle est nouvelle, quoi. C'est vrai. Et donc? Bah elle connaît personne, elle n'a pas encore d'amis. On peut peut-être lui laisser une chance, non? Ouais. Je verrai. Bah, c'est bien ce qui est écrit dans la Bible. Merci. Bah, pas forcément idiot. Tu ouais. Peux réfléchir, non? Je verrai, je te dis, je verrai. Ok. Moi, je dois y aller, salut. Salut. Ah, ça va être tombé sur moi. Enfin, elle pourrait peut-être devenir mon amie. Quelle poufiasse! Elle a quand même l'air tellement superficielle. Quoique, il ne faut pas juger sur l'apparence. Je ne la connais pas. Pas encore. Mais son style reflète forcément sa personnalité. Peut-être qu'elle veut simplement attirer l'attention sur elle. Eh ben, c'est bien parti. Bon, elle est nouvelle. Il faudrait prendre exemple sur Dieu. Je devrais lui donner une chance. Et là, il s'est juste endormi sur le télésiège, quoi. Non. Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un homme avait semé de la bonne semence dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, un ennemi de cet homme vint semer de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque les plantes poussèrent et que les épis se formèrent, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du propriétaire vinrent lui dire « Maître, tu avais semé de la bonne semence dans ton champ. D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui demandèrent alors, « Veux-tu que nous allions enlever la mauvaise herbe ?»« Non, répondit-il, car en l'enlevant, vous risqueriez d'arracher aussi le blé. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et, à ce moment-là, je dirai au moissonneur. » »« Enlevez d'abord la mauvaise herbe, et dites-la en bottes pour la brûler, puis vous rentrerez le blé dans mon grenier. »